19h, et aux surprises, ça va être une émission sur un jeu, aux surprises, et ce jeu, ça va être quoi? Ça va être un shmup, aux surprises, et ce shmup, il va être quoi? Et là, on a le choix, en fait. Et moi, j'aimerais bien qu'il soit bien, ça changerait pour une fois. Alors, j'en sais rien du tout, parce que j'ai jamais eu l'occasion de ma vie de jouer à Ga+, qui apparemment est une évolution de Galaga, et qui a tout pour être intéressante. Vérification. Ch'touk. Alors, millésime de 1984, que va donner l'animal? Petite démo, s'il te plaît, mon ami. On est à peu près en terrain inconnu là. Hein. Donc. Oui, c'est pas des mêmes sprites. Oh, génial. Maintenant, je pense que pour le reste, on va voir. Le fabuleux vaisseau qui s'assemble, c'est extraordinaire. Je vais juste baisser le retour qui me fait de la daube. Et on y va. Alors, est-ce que tu es mieux que le Galaga original? Jamais essayé ce jeu en fait. Il n'y a aucune raison qu'il soit naze. Il s'applique, mais il a merdé son vaisseau annexe. C'est dommage. Deuxième personne. Bon, bah pour l'instant, c'est un Galaga classique. Il n'y a, rien de différent, à part trois images de sprites qui ont été modifs. Bon, à part je me prends des piles aussi quand je fais pas attention. En fait, j'arrive pas vraiment à saisir la différence avec le Galaga original. Niveau gameplay, c'est quand même rigoureusement pareil, quoi. À peu de choses près. Ça varie pas des masses. Alors je regarde d'un air inquiet le compteur, est-ce que j'ai fait mes 5 minutes légales d'enregistrement pour montrer le stream, pour montrer le jeu? Non. On me dit non en régie. Donc je suis condamné à faire du rush et à ne pas perdre mon vaisseau. Ah mais c'était un bonus stage, j'ai même pas fait gaffe. Bon, la différence c'est peut-être qu'on peut monter au filet, va savoir. Pour l'instant j'ai pas saisi. Oui, alors non, ça j'ai pas aimé. Il n'y a pas un continu. Eh ben je ne continuerai pas pour la peine. Merci à toi, Ga+. C'était le stream du jour, super étrange. Moi je m'attendais à un grand jeu et en fait. Pff. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain avec les deux playlists habituelles et je m'en vais comme ça, aussi abruptement qu'on était venu. Ciao, à demain 19h.